Et bonjour tout le monde, donc je m'appelle Fabien Flamand, je suis très heureux de vous présenter cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la trompette en ut Agami, la trompette 125. Voilà, une très belle trompette fabriquée par Thierry Soyer, créateur de la marque Agami. Donc ces trompettes, je les joue depuis plus d'un an maintenant, voilà. J'ai la chance de rejoindre la famille Agami de façon officielle à cette rentrée. Ça fait un peu plus d'un an que je travaille avec eux, qu'on fait des tests, qu'on expérimente des choses, qu'on change des choses parfois ensemble. Thierry est vraiment très à l'écoute. Alors cette trompette, elle a été construite vraiment pour être facile à jouer, donc elle est très juste, elle a une émission très très facile, la souplesse, les attaques, on a beaucoup de qualité de jeu, mais vraiment moi ce qui m'a marqué c'est la rondeur du son. Il y a une difficulté à la trompette en ut, c'est quand on joue très peu en fait, on n'a pas forcément un joli son, c'est le plus difficile à avoir, le son est vite très serré, très clair et très petit, et c'est vrai que on a plus de résultats à la trompette si bémol en général, ce qui décourage parfois les gens à jouer en ut. Alors avec cette trompette, c'est le grand avantage, c'est qu'on a vraiment un son de qualité en ut tout de suite, qui sonne très bien, qui est assez rond et qui nous rapproche des sensations qu'on a sur une trompette si bémol. Ça en fait vraiment un instrument idéal pour jouer tous les répertoires, aussi bien les concerts de solistes, trompette et orgue par exemple, qu'autant le répertoire d'orchestre. Moi je la joue à l'orchestre symphonique de tournée, la chapelle musicale, où on a un répertoire plutôt léger, type orchestre Mozart, mais voilà, ça marche très bien. Là, on va faire notamment en début de saison des concertos comme le concerto de Rodrigo, des concertos avec des traits de trompette, pas mal de solos, et c'est vrai que le son un petit peu plus doux et un petit peu plus sombre qu'une Bach donne vraiment des qualités à cette trompette. Et puis pour l'instrumentiste, il y a vraiment une justesse qui fait plaisir à avoir et des résultats assez immédiats. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter, je serai ravi de vous présenter cette trompette. Moi j'ai la finition brute comme vous pouvez le voir, mais il existe aussi une finition argentée, voilà. Donc il y a pour l'instant deux modèles qui sont personnalisables, vous pouvez changer les clés d'eau, vous pouvez changer évidemment le vernis et tout ça, vous pouvez le voir directement avec Thierry Soyer ou même me contacter en message privé. En tout cas, n'hésitez pas, moi je la montrerai tout au long de l'année, je vais essayer de la jouer à travers mes concerts. Vous pouvez déjà me retrouver à la rentrée à l'orchestre de tournée, là nous avons plusieurs concerts de prévus, mais je serai aussi en récital au mois d'octobre et au mois de novembre avec Orgue dans la région des Hauts-de-France, donc n'hésitez pas à venir écouter le rendu de cette belle trompette. Voilà, j'espère que ça vous encouragera à aller faire des tests, à essayer, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.